Excellent Père de grâce. Merci pour ta présence et ton amour. Merci pour ta fidélité. Nous sommes reconnaissants ce soir parce que tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Nous nous tenons dans cette glorieuse présence sans aucune inquiétude, avec certitude, sachant que tu es en nous et avec nous. Et nous proclamons ton nom ce soir. Nous magnifions ton nom ce soir. Nous exaltons ton nom ce soir. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons plusieurs témoignages, mais je vais vous lire le témoignage de ce qui a été donné hier nuit sur la parole de révélation qui a été donnée. Je vous ai parlé d'une personne couchée sur un divan, assaillie par de mauvaises pensées, des pensées de mort. Et je lui ai dit, tends ta main vers le téléviseur. Voici ce que la personne nous a envoyé, et son mari est au milieu de nous ici. Je me nomme Madame Traoré, je ne veux pas dire son prénom. Madame Traoré. En service au CHR de Gawa. Quand vous avez parlé d'une personne couchée sur son divan en lui demandant de tendre la main vers l'écran, je me suis mis à genoux et j'ai tendu la main. Après votre proclamation, j'ai titubé. Et vous avez ajouté ceci, regarde, comment tu titubes. Au même instant, mais j'étais affermi et depuis la nuit, je suis totalement délivré de toutes les frayeurs et les mauvaises pensées de mort qui m'assaillaient sont parties. Et j'ai appelé mon mari qui est là. Le mari est au milieu de nous. Le frère Traoré, si vous êtes là, je sais pas. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire au Dieu vivant. Alors, ce soir, notre titre est Célébrons le Dieu des miracles. À chaque séminaire, je m'arrête spécialement les vendredis soirs, si vous avez remarqué. Les vendredis soirs, c'est le temps où je prie souvent pour les malades et les situations difficiles. Quel que soit le thème du séminaire, c'est ce soir-là, les vendredis soirs, que je fais cette mention spéciale, soit de la croix ou du Dieu des miracles. Alors, ce soir, on ne fera pas exception. Nous allons célébrer le Dieu des miracles. Et c'est pourquoi nous allons d'abord le chanter, nous allons lui parler qu'il est le Dieu des miracles. Celui qui sait le chanter en français et en morée va nous accompagner dans cela. Vigoureusement. Voilà. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oh, tu es Alpha et Omega. Tu es le Dieu des miracles. Tout puissant. Tu es le Dieu tout puissant. Tout puissant. Tu es le Dieu
Dieu des prodiges. Tu es le Dieu des prodiges. Tu es Alpha et Omega. Tu es le Dieu des prodiges. Tu es le Dieu des prodiges. Tu es le Dieu des prodiges. Tu es Alpha et Omega. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Wena mana, bombana, wena mana, bombana. Yam ya Alpha et Omega, wena mana, bombana. Wena mana, bombana. Wena mana, bombana. Yam ya Alpha. When I'm mine.
Alléluia. Amen. Asseyez-vous dans ta présence. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu. N'ayons jamais honte, nous ne servons pas un Dieu mort. C'est normal, dans les cimetières, on ne doit pas faire du bruit, car ceux qui sont couchés n'entendent pas. Mais on ne peut pas célébrer un si grand Dieu dans le silence. Et c'est pourquoi n'avons pas honte. Et c'est pourquoi Dieu nous bénit. Réfléchis toi-même. Toi, tu ne veux pas danser devant Dieu. Moi, je danse devant Dieu. Toi, tu as 30 ans et tu es courbé, dossu, bossu, ventre. Tu comprends? Ce qui a fait que David plaisait à Dieu, malgré ses erreurs, c'est qu'il aimait célébrer Dieu. Il dit, béni mon âme, béni le Seigneur, béni le Seigneur. Sa gloire remplit la terre et le ciel. Mon âme bénit le Seigneur. Il aime dire, il aime célébrer le Seigneur. Il aime élever le Seigneur. Il aime exalter le Seigneur. David ne tenait pas compte des circonstances. La plupart des gens dansent quand ils sont contents. On ne danse pas quand on est content. Oui, dans le monde, on danse quand on est content. Mais dans l'église de Christ, on célèbre Dieu dans toutes circonstances. On le magnifie, on le loue. On l'exalte, on le glorifie. On n'a pas honte. On n'a pas honte. Non, mon frère, ma soeur. Laisse tomber tout cela. Alors, mon ami et mon frère, écoute-moi ce soir. Et il faut que tu saches comment Dieu opère en faveur de ses enfants. Et c'est pourquoi j'ai dit déjà, en cette année 2015, le Dieu Tout-Puissant combattra pour toi au nom de Jésus. J'ai dit que dans cette année-là, le Dieu des miracles t'accompagnera dans ta marche au nom de Jésus. Tu entends? Ce soir, il faut me suivre pas à pas. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu majestueux, devant chaque porte fermée, il va l'ouvrir devant toi au nom de Jésus. Écoute-moi, mon frère. Il y a des choses que tu peux faire par toi-même. Laisse le Dieu des miracles qui est en toi. Active-le. Aie confiance en lui. Et laisse manifester sa gloire au nom de Jésus. Assois-toi quelque temps. Mon frère, ma soeur. Pourquoi j'aime parler souvent de David? David a été oint comme roi. David avait deux obstacles majeurs pour s'asseoir sur son trône. Il y a un obstacle humain qui est contrôlé par la jalousie, la mesquinerie qui s'appelle Saül. Il y a un autre obstacle dirigé par Satan, lui s'appelle Goliath. Saül et Goliath ont barré la route du règne de David.
Ils ont dit tu ne régneras pas ici. Bien, faut pas n'en dire n'importe quoi. Quoi que tu fasses, malgré ton onction, tu ne régneras pas. C'est ça, quand tu as reçu l'onction, les obstacles se dressent devant toi. David était loin. Son onction était réelle. La puissance de Dieu était avec lui. Mais David, la David, au départ, ne savait pas comment manifester cette onction-là. Il s'est contenté d'aller garder les troupeaux de son père. Il était fidèle. Mais n'utilise pas l'onction de Dieu pour aller faire le berger alors que tu es roi. Parce que tu dois libérer ton peuple de la main de Goliath. Maintenant, Dieu va ouvrit une opportunité pour David. Alors son père l'envoie pour aller visiter ses frères. Quand David arrive sur le champ de bataille, David arrive avec l'onction. Il ne sent pas l'onction. Non, on n'a pas besoin de le sentir. Mais David savait. Depuis le jour où Samuel a mis l'huile sur lui, c'est sa frère. Il n'a pas entendu une voix. Son corps n'a pas frémi. Il a écouté simplement la parole de l'homme de Dieu. Souvent, ce qui manque aux anges, c'est ça. C'est la parole que l'homme de Dieu a dite là. Il dit tu es moins à partir d'aujourd'hui comme roi. Ça veut dire que tu dois régner. Ça veut dire que tu as la puissance. Ça veut dire que rien ne peut te résister. Et David en allant sur le champ de bataille, il est arrivé, il a trouvé Goliath en train d'insulter Dieu et son armée. Quelque chose a commencé à bouger en David. Quand on a commencé à insulter Dieu, un homme moins, une femme moins, ne peut pas s'arrêter insensible. L'onction qui est en toi commence à se mouvoir. Les entrailles de David ont commencé à se mouvoir. Mon frère, ma soeur, quand cela s'est passé, et je vais te dire une chose, David n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Car David savait que le Dieu des miracles, le Dieu tout-puissant, le Dieu de la victoire est avec lui. Alors qu'est-ce que David a fait? Il a regardé Goliath non pas comme un problème, mais comme une opportunité de se manifester. Il a dit à tout le monde, le jour de ma gloire est arrivée. Le jour de mon élévation est arrivé. Goliath est la meilleure opportunité que Dieu m'a donnée pour montrer que je suis un homme moindre. Chaque difficulté Goliath, chaque montagne Goliath n'est pas un obstacle. C'est une opportunité pour que tu manifestes la gloire de Dieu, pour que les gens sachent que le Dieu de puissance est en toi. Ne donne pas d'eau à Goliath. Saül a donné d'eau à Goliath. L'armée a donné d'eau à Goliath. Mais il y a une chose seulement qui intéressait David. David dit, ok, mes amis, ce n'est pas un problème. Pour moi, il n'y a pas de problème. Ce que je veux savoir seulement, dites-moi s'il vous plaît. Dites-moi un peu. Qu'est-ce qu'on va donner à l'homme qui va tuer Goliath? David n'a pas prié. Quand tu arrives sur le champ de bataille, tu veux prier, c'est trop tard. Sur le champ de bataille, on ne peut plus prier. C'est trop tard. On parle, on manifeste. Et mon frère, il demande aux gens qui étaient à côté de lui là. Il n'y a pas de... Ne criez pas, il n'y a pas de problème. Je veux savoir seulement quelle est la récompense. Quelle est la récompense? Vous voyez bien? Reviens au verset 26 là. La Bible dit, il dit,
Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? D'abord, il a pris position. C'est ça. Si tu veux que le Dieu des miracles agisse en ta faveur, il faut que tu prennes position ferme. Ferme. Et parler fermement. Et prends position que tu es du côté de Dieu et que tu ne lâcheras pas. Mon frère et ma soeur, regarde attentivement. Et au verset 25, je reviens en arrière. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Écoute-moi, frère et soeur. L'onction t'a été donnée. Mais il y a une récompense qui suit ceux qui utilisent l'onction pour la gloire de Dieu. Écoute ici, quand David a entendu ça, écoute. Premièrement, il dit, David est un jeune berger pauvre. Et on dit, celui qui va tuer Goliath, on va le combler de richesses. David a commencé à marcher comme un homme riche. Il a commencé à avoir une attitude riche. Il a commencé à dire aux gens, je suis déjà quoi? Riche. Les gens vont se moquer. Et dit, petit, est-ce que tu as entendu ce qu'on t'a dit? On n'a pas dit qu'on va donner la richesse à quelqu'un qui est en train de prier. On dit que c'est celui qui va tuer Goliath. La mort de Goliath n'est pas un problème pour David. C'est la récompense là. C'est ça qu'il a demandé. Premièrement, on va le combler de richesses. David dit, merci Dieu. Je viens les mains vides sur le champ de bataille. C'est sur le champ de bataille que je deviens riche. C'est sur le champ de bataille que la richesse m'est donné. Et tu comprends ça? Vous ne comprenez pas ce principe-là. Il y a plusieurs sortes de combats que vous menez. Les combats contre toutes sortes de circonstances. C'est lorsque vous décidez de faire des choses pour la gloire de Dieu. Dieu avait prévu les trois choses pour David. Donc David s'est considéré comme riche. Quand David venait sur le champ de bataille, David n'était pas fiancé. David n'a jamais fait la cour à une femme. Il n'a pas de femme. Il n'est pas fiancé. Il est célibataire. Sur le champ de bataille, il va avoir une femme. Mon ami, sur le champ de bataille, David dit, ah bon, on va me donner la fille du roi. Il dit, mes amis, je suis le gendre du roi. Je suis le gendre du roi. Il dit, c'est à qui? Qu'est-ce qu'on fait encore? On dit que la maison de son père sera affranchie totalement. Il n'y a plus d'impôts. Il n'y a plus de travaux. Il devient un citoyen totalement libre. David dit, accorde-moi, toute ma famille est libérée. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? L'onction qui est en vous a besoin de votre bouche pour parler. Quand votre bouche parle, vous activez l'onction. Quand vous prenez des décisions, vous activez l'onction. Mon frère, ma soeur, sur le champ de bataille, on ne peut plus prier. Sur le champ de bataille, c'est trop tard. Tu ne peux plus prier. L'ennemi est là avec ses armes. C'est une décision. C'est une proclamation. Et il faut le faire. Alors, quand David a fait cela, tout le ciel s'est positionné. Tout le ciel, on a trouvé notre champion. On ne peut pas l'abandonner.
Dieu cherche un champion. When number veux-tu être ce champion? Veux-tu être ce champion? Mon frère et ma soeur, ce n'est pas Dieu qui a fait ici. Dieu n'a rien fait. C'est David qui a activé l'onction. David a activé l'onction. Je te dis, cette année 2015, si tu prends position, ces choses-là sont pour toi. Au nom de Christ Jésus. Si tu prends position de pouvoir délivrer le nom du Seigneur, délivrer le nom du Seigneur, alors Dieu t'affranchira de la pauvreté, te comblera de richesse. Si tu es un célibataire, écoute-moi. Si tu décides en 2015, dans ton célibat, de prendre position pour élever le nom du Seigneur contre les détracteurs de Dieu, contre les ennemis de Dieu, alors considère que tu as un bon mari au nom de Jésus. Considère que c'est moi qui vais célébrer ton mariage ici au nom de Christ Jésus. J'ai dit ça. Et le jour de ton mariage, tu vas témoigner au nom de Jésus. Tu vas témoigner que le 9 janvier 2015, dans le tabernacle Bethel Israël, tu as pris position. Tu as déclaré que tu vas élever le nom du Seigneur. Que tu vas repousser tous les Goliaths. Alors sera franchi. En 2015, si tu prends position et défends le nom du Seigneur, je dis, toute sa famille, quelle que soit sa religion, est complètement transformée au nom de Christ Jésus. Dieu te donne les gens de ta famille. Tu as pleuré, tu as prié, mais tu n'as jamais pris position pour eux. Si tu prends position aujourd'hui, quel que soit ton père, sa dureté, quelle que soit ta mère, elle n'a qu'à être quoi? Dieu te donne ta famille au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu te donne ta famille au nom de Jésus. Ta famille est libérée au nom de Jésus. 2015 est ton année de célébration. Est ton année d'élévation. 2015, colore-la avec ta bouche. Proclame sur chaque jour de 2015 ce que tu veux voir se passer. Parle à 2015. Dis-moi 2015. Tu es mon année de célébration. Tu es mon année de bénédiction. Tu es mon année de victoire. Tu es mon année où les célibataires sont mariés. Aucun ennemi ne peut prévaloir contre moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Assois-toi, on va avancer. On va avancer. Mon frère, on va avancer. Après David, voyons un autre homme. Il y a des gens qui savent élever Dieu. Et Dieu aime faire des miracles avec eux. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Tout est miracle en lui. Sa présence même est miracle. Le miracle est normal pour lui. Quand il fait comme ça, c'est miracle. Quand il fait comme ça, c'est miracle. Quand il te regarde, c'est miracle. Quand il fait comme ça, c'est miracle. Tout est miracle. Tout est miracle. Tout est miracle. Tout est miracle. Tout. Mais marche avec lui seulement. Et le miracle va continuer à te suivre. Un autre homme. Lui, il s'appelle Moïse. Lui aussi était un homme qui avait échoué. Mon frère, ma soeur, quand il a conduit le peuple en dehors donc, de l'Égypte, il arrive devant la mer Rouge. De même que Goliath était l'obstacle de David pour aller sur son trône, est-ce qu'il a pu empêcher?
Pourquoi je te dis qu'on célèbre, on a célébré David. Je vais te lire un passage avant de continuer. Pourquoi on a célébré David? Tu ne peux pas élever Dieu sans qu'on te célèbre. Personne ne peut empêcher ta célébration. Quand David a fini avec Goliath, 1 Samuel 18, verset 6 et 7, tu ne comprends pas ça. Tu as élevé Dieu, Dieu aime célébrer aussi ceux qui l'ont élevé. Dieu n'est jamais débiteur de quelqu'un. Si tu l'élèves, il va t'élever. 1 Samuel 18, versets 6 et 7. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sorties de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant. Saül croit que c'est lui qu'on va célébrer. Saül dit, ah, les femmes là sont reconnaissantes. Elles ont commencé à jouer les tambourins. Ils ont commencé à jouer tout. Et quand ils ont commencé à parler, comme les femmes ne savent pas taire leur bouche, elles vont gâter le coin. Elles vont gâter le coin. Elles ont poussé des cris de joie. Et qu'est-ce qu'elles ont dit? Saül s'est préparé. Dit, enfin, on me reconnaît. Enfin, les femmes du pays m'ont reconnu. C'est pas trop tôt. Les femmes, allez-y. Dansez. Proclamez. Le verset 7. Qu'est-ce que le verset 7 dit? Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses mille. Et lui, c'est ça. Vous avez raison. J'ai frappé mes mille. C'est fort. Les femmes ont dit, attends. David a frappé ses 10 000. Il dit, ah bon? C'est le petit là que vous élevez au-dessus de moi. C'est comme ça. Qui a élevé Dieu? Saül ou David? Mais si tu élèves Dieu, il va t'élever. C'est ça. Cette année 2015 là, chaque jour, élève-le, célèbre-le. En janvier 2016, quand tu viendras ici, personne ne va te reconnaître. J'ai dit, personne ne va te reconnaître. On dit, ça lui reste, on te laisse, c'est lui, c'est moi. Comment tu as fait? J'ai célébré et il m'a. Quand on le célèbre, il vous. Alléluia. Alléluia. Alors, voyons Moïse. Mon frère, ma soeur. Moïse est maintenant devant la mer Rouge. Chaque fois que tu veux avancer, il y a toujours un obstacle. Je t'ai dit, tout obstacle n'est qu'une opportunité. Tout problème est une opportunité que Dieu t'offre pour t'élever. Tout. Brusquement. La mer Rouge s'est présentée comme la fin du voyage d'Israël pour la terre promise. Ceux qui ne servent pas Dieu ont commencé à dire, tu nous as amenés pour nous enterrer au désert. Parce que pour eux, tout problème est simplement un tombeau. Les problèmes ne sont qu'un cimetière. Ça dépend de comment tu regardes. Moïse était devant la même mer rouge. Tous ceux qui ont vu les miracles, ils étaient devant la même mer rouge. Le Dieu qui a fait déjà 10 miracles qu'on appelle les 10 plaies, est-ce qu'il va s'arrêter à 10 miracles? Il est prêt pour faire quelques miracles.
Maintenant, il va faire quelques miracles. Ils ont vu 10 miracles en Égypte. Est-ce que Dieu a fini? Est-ce que Dieu est limité à 10 miracles? Maintenant, ils sont prêts pour le 11e miracle. Mais pour eux, il n'y aura pas de 11e miracle. C'est la fin de leur aventure. Ce soir-là, regardez dans ta vie. Tous tes problèmes, tu les as transformés en cimetière. Tous tes problèmes, tu les as transformés en tombeau. Dès qu'il y a un problème, tu es découragé. Et tu commences à crier. Pourquoi on est venu ici? Pourquoi je me suis converti? Et tu laisses ces pains-là te dire, voilà, depuis que tu es devenu Merka là, tu n'as plus rien, tu n'as plus rien, tu n'as même pas de travail. Et tu les laisses et parler mal de ton Dieu. Non, mon frère. Non, ma soeur. Pourquoi? Ils ont combattu Pharaon. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a parlé déjà dans le cœur de Moïse. Quand Moïse a regardé la mer rouge, Dieu lui dit, regarde bien la mer rouge. Il y a longtemps, moi, je cherche un cimetière pour enterrer les soldats de Pharaon. Je n'ai pas trouvé ça en Égypte. Nulle part ailleurs. Le meilleur cimetière là, c'est la mer rouge. Et puis, tu n'auras pas le temps de creuser des tombeaux. Tu n'as pas besoin de picasses. Tu n'as pas besoin de pelles. Tu n'as pas besoin de salir tes mains. Regarde comment je peux transformer une mer en cimetière. Et c'est pourquoi Moïse s'arrête et dit à son peuple, ces gens que vous voyez là, c'est là. Dernière fois. Tous tes ennemis qui sont devant toi, c'est là. Écoute-moi. L'année 2015. L'année 2015. Tous ceux qui te poursuivaient. Tous tes poursuivants. Sont en train d'aller vers leur tombeau. Tu vas aller vers le tombeau. Tout tes poursuivants. Alors, ce qui est un cimetière devient une route pour toi pour passer. Et oui. Le cimetière est ton chemin d'élévation. Est ton chemin de passage. Est ton chemin de gloire. Alléluia. Ils sont passés. Dieu dit, tournez-vous et regardez. Pharaon et son armée rentrent. Les soldats rentrent. Dieu dit à Moïse, il faut les enterrer en levant ta main. Lève ta main. Ordonne à la mère. Mère. Sois transformée en cimetière. Pour tous mes ennemis. Pour tous les comploteurs. Dans n'importe quel pays. Dans n'importe quel quartier. S'ils ne cessent pas de me poursuivre. Cette année 2015 là. Se transformera en cimetière pour eux. Dans le nom de Jésus, cela s'accomplira. Ennemi, adversaire, tout problème, problème qui me suit, cette année 2015, vous êtes enterré au nom de Jésus. Célèbre le Seigneur. Il est le Dieu. Des miracles.
Alléluia. Cette année 2015 est ton année de restauration et de rétablissement. Ton année de restauration et de rétablissement. Tout ce que tu as perdu te sera restitué. 2015, tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as gâché, les années gâchées te seront restituées au nom de Christ Jésus. Amen. Si tu ne crois pas, regarde ton Dieu, un homme qui va asseoir toi, un homme qui va bénéficier de la restauration divine. Un homme s'appelait Nebuchadnezzar. Il ne loue pas Dieu, il n'adore pas Dieu. Un jour, il s'est assis. Il a fait une déclaration. Dans Daniel, chapitre 4. Il fait une déclaration. Daniel 4, verset 30. Daniel, chapitre 9, verset 30. Voilà ce qu'il ose dire. Il est tellement sûr de lui-même. Il croit qu'il n'y a pas un Dieu comme lui sur la terre. Le roi Nebuchadnezzar prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Est-ce qu'il y a Dieu là-dedans? Il y a Dieu là-dedans? Dieu d'abord. Il y a un autre Dieu sur la terre qui parle. Il dit, Saint-Esprit, tu as entendu? Il y a un qui s'est proclamé Dieu sur la terre. Tous les mots qui sont pour moi, il les a utilisés. Gloire, magnificence, puissance, résidence royale. Il dit, descend pour voir. Descend pour voir un peu. Quand il descend, Saint-Esprit dit, bon, tu es Dieu aussi. Il dit ok. Tu vas être le Dieu qui broute l'herbe. Tu vas brouter de l'herbe. Regarde le verset 33. 33. Qu'est-ce que la Bible dit? Au même instant. De même que Dieu fait des miracles instantanés pour ses enfants, Dieu aussi paralyse les gens instantanés, tes ennemis. Au même instant, la parole, un autre Dieu va parler. Le premier Dieu a parlé, le second va parler. On verra qui va être à l'infinitif. Aussitôt, au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme des bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Cela s'est passé pendant 7 années. Mais pourquoi je te dis ça? Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il a fait ça pour l'humilier. Mais pendant ces 7 années-là, et regarde comment Dieu fait les choses. Si tu comprends ce Dieu-là, pendant ces 7 années-là, le trône était quoi? Vide. Quelqu'un a pris le trône? Hein?
Quelqu'un a occupé le trône de Nebuchadnezzar. Mais pourtant, tous les jours, même ses ennemis voyaient qu'il était un bœuf. Ils ont pu le tuer. Regarde. Sois étonné. Quelqu'un a dit, bon, comme le roi là est, il est bœuf maintenant. Le trône est vide. Ça a pu se faire. Ça a pu se faire. Écoute, il faut comprendre Dieu. Si Dieu a pris un homme comme ça et il va le restaurer, toi, Dieu ne te restaure pas. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Écoute la suite. Verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levais les yeux vers le. C'est ça que Dieu attend. Je levais les yeux vers le. Et la raison me revint. J'ai béni le très haut. J'ai loué et glorifier celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Quand il a dit ça à Dieu, Dieu a dit c'est ça que j'attendais. C'est ça que j'attends. Dieu est miséricordieux. Il ne va pas regarder tes faiblesses. L'année 2015, là, comme Nebuchadnezzar, si tu décides de reconnaître tes erreurs, de reconnaître tes fautes, oh Dieu, pendant toutes ces années, 7 est le chiffre parfait. C'est le chiffre de l'accomplissement. Si tu décides de reconnaître, comme Nebuchadnezzar a reconnu, qu'est-ce que la Bible dit au verset 36 et 37? En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fut que s'accroître. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, dans cette journée-là, dans cette soirée, tu as décidé de venir célébrer le Seigneur. Toute grandeur qui t'avait été retirée est restauré au nom de Jésus. Tout trône dans lequel tu devais t'asseoir, les trônes financiers, le trône professionnel, le trône de santé qui t'avait été retiré, ce trône t'est restitué au nom de Christ Jésus. Ta domination est restaurée au nom de Christ Jésus. Ta magnificence est restaurée au nom de Christ Jésus. À cause de ça, ta puissance va s'étendre au nom de Christ Jésus. Si Dieu a fait ça avec Nebuchadnezzar, il le fait avec toi. Je te dis qu'il ne te manquera rien. Si tu célèbres le Seigneur, si tu élèves le Seigneur, même tes ennemis seront étonnés. Tes ennemis vont te célébrer. Tes ennemis vont dire, oui, tu as raison. Ton Dieu est réel. Nous nous sommes moqués de toi. On t'a vilipendé. Mais maintenant, on reconnaît que ton Dieu est vrai. C'est pourquoi mets la caméra sur moi. Je vous défie, tous ceux qui appellent les gens Merka avec mépris là, écoutez-moi. Si l'année 2015, vous n'arrêtez pas d'insulter les gens parce que ils ont une religion vraie, je décrète aujourd'hui que si vous continuez, ça n'est fini de vous. Au nom de Jésus, ça n'est fini de vous. Écoute-moi. Ce n'est pas l'amusement. Il y a la puissance ici. Il y a la gloire de Dieu ici. Nous n'avons pas un Dieu qui fait des trafics. Nous avons un Dieu véritable. Et nous sommes appuyés sur Dieu véritable. Nous ne faisons du mal à personne. C'est d'élever Dieu. C'est de marcher dans l'intégrité. Alors à cause de ça, notre Dieu nous protégera.
Notre Dieu nous protégera. Notre Dieu nous protégera. Amen. Amen. Maintenant, assois-toi. Deuxième personne qui a été restaurée. Restaurée. Satan a attaqué un homme de Dieu appelé Job. Il lui a enlevé sa famille. Il lui a enlevé sa santé. Il lui a enlevé sa femme. Job était là. Pendant des années, Job dépérissait. Job dépérissait. Mais écoute-moi, mon frère. Et les amis de Job sont venus. Au lieu de le consoler, ils sont devenus des accusateurs. Tu es dans cette situation-là. Et tu es dans une situation que personne ne comprend. Je parle à quelqu'un maintenant. Tu es dans le cas de Job. Tu souffres comme Job. Incompris comme Job. Je te dis que cette année-là, c'est la fin de tes souffrances. Job ne savait pas qu'il y avait une fin à ses souffrances. Job se disait, Dieu m'a abandonné. Quand je vais mourir, je vais le voir. Dieu n'a pas prévu la mort de Job. Il te dit encore, écoute-moi mon âme. C'est parce que tu ne crois pas à ce que les hommes de Dieu te disent que tu souffres inutilement. J'ai dit que ta souffrance là, Dieu va la transformer en gloire. Dieu va restaurer. Ne continue pas à gémir. Écoute-moi. Je suis envoyé pour venir te parler, te consoler. Écoute. Les injustices sur toi. Les mensonges sur toi. Toutes ces choses vilaines sur toi seront transformées au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Tu entends? Alors, Dieu demande une seule chose à Job. Tes propres amis là qui devaient te consoler là, ils ne t'ont pas consolé. À cause de ça, ton cœur est un peu triste à leur égard. Il dit Job, ce n'est pas un problème. Appelle-les, prie pour eux. Il te montre le chemin cette année-là. Tous ceux qui ont fait des choses là, commence à prier pour eux. Seulement. Prie pour eux seulement. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Prie pour eux et pardonne-les. Dis Seigneur, telle personne-là mentit trop sur moi. Telle personne-là m'a fait trahi. Telle personne-là m'a jugé. Telle personne-là m'a fait du mal à ma famille. Telle personne-là au service-là. Tel patron-là a fait telle chose. Seigneur, moi je veux te célébrer. Car je préfère te célébrer. Commence à le célébrer. Commence à le bénir. Quand Job a fait ça, regardons Job 42. Job 42. Écoute-moi, tu vas comprendre. Job 42. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Cette année 2015, la double onction, la double portion est pour toi. Tout ce que tu as perdu, Dieu t'accorde le double au nom de Christ Jésus. J'ai dit que cette année-là, Dieu va accorder le double de tout ce que tu as perdu au nom de Christ Jésus. Tes retards seront comblés rapidement au nom de Jésus. Ce n'est pas fini. Regarde la suite. Regarde la suite. Le verset 11 maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolaient de tous les malheurs. Voilà, ils sont quoi? Que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kesita et un anneau d'or. Je dis que tous ceux qui étaient contre toi, c'est eux qui vont t'apporter la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Cette année, ta maison sera visitée par tous ceux qui t'avaient donné le dos.
tes adversaires qui étaient contre toi reviendront à l'église, pasteur. Ils vont te dire, pasteur, nous reconnaissons que tu es un homme de Dieu. Et ils vont déposer dans tes mains des bénédictions. Ne t'inquiète pas. Il restaurera Job. Pas seulement dans les richesses. Pas seulement dans sa santé. Dans tous les domaines. Regarde la suite. Lisons la suite. Regarde. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premières. Je dis. Ce que Dieu a prévu là, ce n'est rien par rapport à ce que tu as perdu. La gloire de la maison présente sera plus grande que la gloire de l'ancienne maison. Écoute, ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il dit? Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Voici mon frère. Continue. Et il eut 7 fils et 3 filles. Continue, mon ami. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Keren Apuk. Mon frère, ce n'est pas fini. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Ce qu'on ne faisait jamais dans le pays. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les filles de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Verset 17. Job mourut âgé et rassasié. Voilà ta portion en ce jour au nom de Jésus. Voilà ce que Dieu a prévu pour toi au nom de Jésus. J'ai dit, mon frère, crois ça et proclame. Pose ta main sur ta tête, proclame maintenant. Parle en langue. Parle en langue et proclame. C'est ma portion, c'est ma portion, c'est mon héritage. C'est mon héritage, pose ta main, c'est mon héritage. C'est mon héritage, personne ne peut me l'enlever. C'est mon héritage, personne ne peut me l'enlever. C'est mon héritage, personne ne peut me l'enlever. C'est une bénédiction de l'Éternel. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Chacune des bénédictions de Job, elle m'appartient. Au nom de Jésus-Christ, assois-toi devant le Seigneur. Toutes les bénédictions de Job là, prends-les. Au cours de cette année-là, les versets que je t'ai lus, versets 10 à 17, regarde-les point par point. Ça couvre tous les aspects de ta vie. Tous les aspects de ta vie. C'est ça que Dieu te donne. C'est pour ça que Dieu te donne. Alors, mon frère, ma soeur, si tu bénéficies de la restauration, regardons maintenant les miracles divers que Dieu réalise en ta faveur. Ce n'est pas fini. Continuons. Mon frère, ma soeur, dans Daniel 3, verset 19. Daniel 3, verset 19. Oh, nous allons voir le miracle de la protection surnaturelle. Le miracle de la protection surnaturelle. Le Dieu naturel a donné des lois naturelles. Une de ces lois naturelles, c'est que lorsque le feu brûle, quand il rentre en contact avec quoi que ce soit, le feu détruit cette chose-là. C'est une loi que Dieu a créé le feu. Il a dit feu. Partout je t'envoie. Et même si les ennemis t'envoient, j'ai créé une loi. Tu es là pour brûler et détruire. Et Satan a entendu ça. Il va utiliser le feu. Contre qui? Contre les enfants de Dieu. Un jour, il y a trois enfants de Dieu. Leur nom, c'est Shadrach, Meshach, Abednego.
ils ont continué à célébrer Dieu et adorer Dieu. Ils ont refusé de plier les genoux devant les faux dieux. Les gens les ont accusés de tout mal. Ils ont dit, mais votre religion est trop difficile. Mais pourquoi? Mais est-ce que vous valez mieux? Non, on ne vaut pas mieux que quelqu'un, mais nous voulons suivre Dieu. C'est ça que les gens disent. À la fin, vos adversaires sont assis, ils ont formé des complots et vous ne savez même pas. Ils ont dit, on va les détruire par le feu. Ils ne savent pas que le Dieu qui a fait le feu là, qui a fait les lois du feu là, est capable de suspendre cette loi là en faveur de ses enfants. C'est ça que vous ne savez pas. Satan a programmé des feux contre vous. Des feux qu'il allume de tous les côtés. Parce que simplement, par cause de ce que vous faites, de ce que vous êtes enfant de Dieu. Il est sûr que ce feu-là va vous détruire, va détruire ces gens-là. Le feu de la réputation. Le feu de la diffamation. Le feu du mensonge. Le feu de la trahison. Toutes ces feux d'intrigue, ces feux d'intrigue. Ils remplissent la ville avec des feux. Fausses choses sur vous. Des choses qu'ils n'ont pas vues, ils inventent sur vous. Parce qu'ils s'acharnent contre vous. Ils savent qu'ils mentent. Ils savent qu'ils sont en train de vous diffamer. Mais ils s'en foutent. Mais tous ces feux-là, Dieu va les suspendre à votre profit au nom de Christ Jésus. Aucun de ces feux ne va vous détruire au nom de Christ Jésus. Alors, quand ils ont chauffé. Chauffé le feu. Ils ont pris les trois enfants. Ils ont dit, regardez bien. Hein. Vous savez qu'il y a cette loi-là. Le feu brûle tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. On les jette dans le feu. Il y avait les flammes de feu. Mais Dieu a enlevé du feu ce qui est négatif. Il a enlevé ce qui détruit là. Il a suspendu la loi du feu. Ils sont tombés dans le feu, ni leur ceinture, rien. La seule chose que le feu a détruit, c'est les liens qu'ils avaient dans la main. Tu entends? Le feu a détruit ce qui t'empêche de progresser. Le feu détruit ce que Satan a mis sur toi. Pour te faire quoi? Te libérer. Quand ils ont été libérés, le roi a dit, on va les voir. Mais est-ce que leur Dieu là est un Dieu de miracle? Parce que c'est impossible que quelqu'un échappe à un tel feu. Il y a des gens qui ont préparé des feux comme ça. Mais ils ne savent pas qu'ils ont préparé le feu contre eux-mêmes. Ils ne savent pas. Ils ne croient pas ça. Et il y en a parmi nous, et parmi des gens qui nous regardent à la télé. Cette année-là, ils seront brûlés par le feu là. J'ai dit qu'ils seront brûlés par leur propre feu. Le feu du mensonge, de la diffamation, des complots contre vous. Et brusquement, celui qui a fait la loi du feu est descendu parmi les trois jeunes gens. Quand le roi vient pour regarder, il dit, on a ajouté combien de personnes? Trois. Mais il y a un quatrième. Et le quatrième là, il ressemble à un fils de Dieu. Dans chaque feu que vous traverserez, le fils de Dieu est avec vous au nord de Jésus. J'ai dit que vos adversaires verront le feu de Dieu et les anges de Dieu. L'année 2015, c'est l'année où les gens vont voir le Dieu surnaturel avec vous.
Si jusqu'à présent, tu as été un chrétien ordinaire, l'année 2015, tu deviens un chrétien surnaturel. Partout, tu seras entouré de la protection divine. Tes ennemis vont essayer de venir, ils verront les anges. Ils verront la gloire de Dieu autour de ta maison. Quand ils viendront, ils verront les anges de Dieu arrêter. Parce que ta maison sera entourée par une muraille du sang de Jésus. Rien contre toi. Aucun démon ne pourra franchir. Aucun Satan ne pourra franchir. La gloire de Dieu va te protéger. La gloire de Dieu sera ta ceinture. Dans le nom de Christ Jésus. Maintenant, le roi dit, vous les menteurs là, préparez-vous. Vous avez un Dieu, non? Ils ont prié le Dieu. Ils ont prié. Quand on les a pris, ceux qui ont jeté les enfants de Dieu là, maintenant on a sorti les enfants de Dieu. Et le roi a dit, et leur Dieu les a protégés. Vous aussi priez pour que Dieu vous protège. Quand on les a ramassés, avant qu'ils n'arrivent sur le sol, le feu les a consumés. La chaleur semblant du feu les a consumés. J'ai dit, la chaleur de l'onction qui est en toi va consumer tous tes ennemis. Le feu divin qui est en toi, sa chaleur va consumer les problèmes, va détruire toutes les situations. N'aie aucune peur. C'est la nuit de la célébration. C'est la nuit de l'élévation. C'est la nuit de la célébration. Crois ça, mon ami. Il te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Aucun feu ne peut te détruire. Aucun feu satanique ne peut te détruire. Assois-toi dans le nom de Jésus. Le feu de la honte. On veut mettre le feu de la honte sur toi. Ce feu est éteint au nom de Jésus. Il est éteint au nom de Jésus. Ah, il y a des gens qui disent, et on va envoyer la malédiction sur les gens. Et les gens ont peur de la malédiction, c'est vrai. Mais la malédiction bloque ta destinée, bloque tes situations. Mais regarde, le Dieu des miracles, il sait arrêter les malédictions. Il les arrête et les transforme en bénédiction. Le peuple qui a quitté le pays d'Égypte, ils ne savaient même pas que des gens avaient fait des complots contre eux. On est parti louer un grand, grand, grand prophète de l'heure. Et un roi appelé Balak est parti dire à un prophète appelé Balaam, regardez comment les gens ont peur de vous. Il y a un peuple qui vient là. Il est trop puissant. Même quand ils se moquent de vous, en même temps, ils ont peur. Quand les gens vous appellent Merka là, ils ont en même temps peur de vous. Ils ont dit, on a peur. Parce que la mer rouge s'est ouverte devant eux. Amalek les a attaqués. Ils les ont vaincus. Les miracles les suivent partout. On ne sait pas qui peut arrêter ce peuple. Mais nous savons une chose. Dans leur propre loi, il est dit que si on prononce une malédiction sur eux, la malédiction peut les arrêter. Parce que la malédiction est une puissance. Balaam dit, c'est vrai. Moi-même, j'ai pratiqué ça. Tel peuple, j'ai vu, je les ai maudits. C'est pourquoi on est venu t'appeler. Viens nous aider à les maudire, à les bloquer. Balaam a suivi. Il y a des Balaam comme ça qui veulent s'exposer à la honte.
Quand il les a suivis, dans le livre de Nombre 23, il a préparé tout ce qu'il devait faire pour maudire ce peuple-là. Écoute-moi, je parle de ta vie en 2015. Quand il s'est arrêté, il prononça son oracle. Nombre 23, 7. Il prononça son oracle et dit Balak. Il est en train de parler. Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Il m'a dit, viens et maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Viens. Verset 8. Il veut maudire. Il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Est-ce que tu entends? C'est ceux qui te maudissent là qui vont te dire ça. Tu entends? Ils sont tapis à gauche, à droite. Mais tout est bloqué. La fin, et il dit, non seulement pas maudit, il ne peut pas s'irriter. Dieu ouvre ses yeux maintenant et Dieu va décrire ce qu'il voit en toi. Je vois ce peuple-là du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Tu es un mis à part par Dieu au nom de Jésus. Et ce n'est pas fini, mon ami. Laisse les Écritures. Mm-hmm. Et qu'il ne fait point partie des. Nations. Tu es mis à part. Tu ne fais pas partie des nations. Ça veut dire quoi? Tu es quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Quand tu traverses le feu, il ne te brûlera pas. Quand tu traverses les eaux, tu ne seras pas noyé. Parce qu'il a dit, je suis avec toi tous les jours. Et regarde la suite, mon frère. Qui peut compter la poussière de Jacob? Et dit le nombre du cœur d'Israël. Maintenant, il prie sur lui-même. Il dit que je meurs de la mort des justes. Et que ma fin soit semblable à la leur. Tous les gens qu'on a loués pour te maudire vont alors te célébrer, vont vouloir te ressembler. Ils vont vouloir te ressembler. Parce que rien ne pourra se faire contre toi. Ils seront changés maintenant en tes admirateurs. Ils vont dire, nous voulons être comme eux. Nous voulons être comme eux. Mon frère, ce que je te dis là, c'est ça la réalité. Ne te laisse pas. Mais Balaam n'a pas fini. On est venu le corrompre encore. On lui a dit, non, Balaam. Balaam, tu n'as pas compris. Il te faut combien de millions? Combien de millions? Millions, c'est ça qu'on flatte les gens là. Tu veux combien de millions? Oh, il a donné le nombre. On dit non, ce n'est pas un problème. Ça. Tu as des millions là. Ce qu'il nous faut, c'est que tu maudis ces gens-là. Plus le prix du féticheur est monté, plus ta valeur est montée. On ne peut pas te maudire à 100 francs. Tu es trop important qu'on te maudisse à 100 francs. Tu comprends? Tu comprends? On ne peut pas te maudire à 100 francs. Parce que tu as une grande valeur. Alors, on a monté. Balaam s'est préparé encore. Dans 23, verset 18 maintenant. Ça veut dire que tu il va parler encore. Balaam prononça son oracle et dit, cette fois il s'adresse à Balak, celui qu'il a loué pour maudire. Balak, écoute, ton affaire est dure, hein?
Tu me crées problème. Prête l'oreille. Fils de Sipor. Biga. Ceux qui nous suivent là, prêtez l'oreille. Hey, prêtez l'oreille. Verset 19. Balaam dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Quel Dieu? Le Dieu de ces gens-là. Le Dieu des Merkala. N'est point un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Amen. Il le fera. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Mon ami, assois-toi. Écoute. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Mon ami, n'attends pas ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. S'accomplir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, oh, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Dieu peut, il peut tout donner, car il est fidèle. Dieu peut. Sa bouche a dit, sa bouche a dit, alléluia, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa bouche a dit, oh, sa main l'accomplit. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Oh, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main Dis avec moi. Les Balak. Levez-vous. Écoutez-nous. Fils de Sipor. Prêtez vos oreilles partout où vous trouvez. Notre Dieu n'est point un homme
pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit à mon sujet, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Amen. Assois-toi. Verset 20. Maintenant, deuxième partie, verset 20. Il dit à Balak, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. Il dit, mais Dieu les a bénis. Balaam, Balak, Dieu ne peut rien faire. Dieu a pris une loi au ciel, la loi de la bénédiction. Aucun décret humain ne peut annuler une loi divine. Dieu t'a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ne laisse pas ta propre bouche enlever ta bénédiction. C'est toi seul qui peux enlever ta bénédiction. Personne ne peut l'enlever. Personne ne peut l'enlever. Et il continue. Il dit ceci. Il dit, Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. C'est étonnant. Dieu dit que lui ne voit pas d'iniquité. Si Dieu ne voit pas d'iniquité en Jacob naturel, comment Dieu peut-il voir une iniquité en toi avec habillé par le sang de Jésus? Ne te laisse pas décourager par les gens. Il ne voit pas d'iniquité en toi. Face à tes ennemis, Dieu te protège. Quand vous êtes à deux maintenant, dis mon enfant, j'ai dit à tes ennemis, tu n'as pas d'iniquité. Mais toi-même, répands-toi. Ce que tu as fait là, répands-toi. Devant tes adversaires, je suis ta couverture. Mais maintenant, on est en famille. Dis ce que tu as fait. C'est ça que Dieu fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Les gens de ce monde ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Je ne vois pas d'iniquité en Jacob. Dieu ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux la vigueur comme la vigueur du buffle. Et il s'arrête et dit, ah, Balak. Balak. Écoute, hein. L'enchantement ne peut rien contre eux. Tu n'as qu'à aligner tous les sorciers et sorcières du village. Tu n'as qu'à ajouter tous les sorts. Tu n'as qu'à envoyer les corotis, les flèches. Voilà, pieba, ouais. Bah, faut ton pieba. Tu n'as qu'à mettre tous les gris-gris. Bah, ça part et ça revient. Ça va revenir. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Mais ces gens-là sont bizarres. Hein. Ils sont bizarres. Hein. Rien ne peut. Rien ne peut contre eux. Rien. On ne peut pas les avoir. On ne peut pas les détruire. Je ne vois pas. L'enchantement ne peut rien. La divination ne peut rien. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne. Ce peuple-là va rugir maintenant. Ils vont rugir comme le lion de la tribu de Judas. Leur chef s'appelle le lion de la tribu de Judas. Et aussi, ils vont rugir. Ils vont rugir. Et à cause de cela, Balak, on abandonne la. Et de bas il est là, c'est ça.
Moi, je ne peux plus rien. C'est pourquoi ceux qui t'ont cherché dans l'eau, ils n'ont pas vu ton image. Ceux qui ont appelé ton nom dans l'eau là, dans n'importe quel eau, ton image n'apparaît pas. Ton nom n'apparaît pas. Il dit, mais la femme, tu dis d'appeler son nom là. J'appelle, son image ne vient pas. Son nom ne vient pas. Il est quoi? On dit les Merka. Si c'est les Merka là, on ne peut pas les voir. On ne peut pas les voir. Ils sont invisibles. Invisibles. C'est ça, mon frère. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Hein? Hein? Ce nom vient du ciel. Ce nom vient du ciel. Ce nom, c'est Jésus. Une fois encore un nom. Ce nom, c'est Jésus. Ce nom, c'est Jésus. Mon frère, ma soeur. Alors, il chante tes malédictions en bénédiction. L'année 2015, c'est l'année où les enchantements, où les divinations, où les malédictions deviennent du riz gras pour toi. Ça devient du riz gras pour toi. Ça devient soupe colo. Ça devient du dégain frais. Alléluia. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois. 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 Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Assois-toi. Est-ce que le Dieu des miracles? Est-ce que le Dieu des miracles? Est-ce qu'il s'occupe de la partie financière de la vie d'un homme? Est-ce qu'il s'occupe de l'argent? Il est le Dieu de qui? L'argent et l'or appartiennent à qui? Alors si ça lui appartient, ses enfants, ça ne leur appartient pas? Un père peut être riche et son enfant pauvre. Notre Dieu est un Dieu de... Mais il ne coupe pas les bras pour nous rendre riches. Ce n'est pas avec des sacrifices qui nous rend riches. Non, mon ami. C'est pourquoi un jour il a dit au fils d'Abraham, Isaac, toi t'es fils de qui? D'Abraham. Abraham. Il lui dit Abraham. Abraham. Isaac. Isaac. Écoute-moi. La sécheresse vient dans le pays. La crise économique vient. Écoutez, je vous parle prophétiquement. Comme les gens ne veulent pas écouter,
Il dit la crise économique vient sur les nations. Il n'y a aucune nation qui est sécurisée. Aucune. Aucune. Il dit ça vient. Il dit fais attention. Ne pars pas utiliser les principes économiques de l'Égypte. Car ça ne te sortira pas de la situation. Je suis le Dieu des miracles. Regarde-moi attentivement. J'ai des lois économiques qui n'ont rien à voir avec les lois du Fonds monétaire de la Banque mondiale. Laissez-moi parler, il ne faut pas avoir peur là. Si tu veux avoir peur, ne viens pas m'écouter. Parce que moi, je parle balabala. Voilà. Ça n'a rien à voir. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de programme d'ajustement structurel. Ça, c'est seulement. Pas de haya ou oui, mon là. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de séminaire sur la pauvreté. Ça, c'est seulement pour pas dire sur non, sur ça. Non. Il dit la pauvreté à la porte. Non, non. La famille est à la porte. La sécheresse à la porte. Ça s'étend sur le monde entier. Les nations vont commencer à contrebalancer. Écoute-moi ce que je te dis aujourd'hui. Dans les années à venir, là, les trois années à venir, tu n'as jamais vu le monde dans les difficultés comme tu vas le voir. Écoute-moi sérieusement. Quand je vous parle, vous n'écoutez. Ceux qui sont. Laissez-les se moquer. Quand ça va arriver, c'est dans tous les pays. Il n'y aura aucun pays puissant. Tu vas comprendre. Alors Dieu te dit, dans ces temps-là, je suis ton Dieu. Et je suis le Dieu des miracles. Les lois naturelles économiques ne marcheront pas. Tous les grands pays sont en faillite. Ils masquent seulement leur faillite. Naturellement, je suis économiste, je sais. Il suffit de quelque chose, une crise, tout est à terre. Alors, qui va te protéger ici? Si ceux qui sont en haut sont là-bas, dans les grands pays, sont en crise, qui va te protéger? C'est pourquoi je mets dans tes mains ce que tu reconnais qu'il y a un Dieu des miracles. Le fils d'Abraham même était secoué par la crise qui advenait dans son pays. Il ne sait pas quoi faire. Il a dit, je vais descendre en Égypte. Et maintenant, je vais suivre l'Égypte. Je vais utiliser les lois économiques égyptiennes. Dieu vient dire. Dieu lui dit. Isaac. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas descendre en Égypte. Ton père était le père de la foi. Et tu dois être un enfant de foi. La foi. Ne regarde pas les circonstances naturelles. Ne regarde pas parce que les banques sont secouées. Ne regarde pas parce que les affaires croulent les unes après les autres. Ne regarde pas ça. Si tu regardes ça là, et tu regardes ce que tu es, un simple éleveur, un simple berger, et tu vois que les grands, les économistes là sont en train de crouler, tu ne pourras pas avancer. Regarde à moi, j'ai ma bénédiction sur toi. C'est avec ça que tu vas réussir. Alors il dit à Isaac, reste tranquille. Je vous parle parce que c'est ça le problème qui va faire que les chrétiens vont se décourager. Isaac resta à Guérar.
Il attendait. Peut-être il pensait qu'en priant, Dieu ne fait pas des miracles. Quand il est Dieu des miracles, il va utiliser des lois naturelles pour manifester sa puissance. C'est pourquoi on dit surnaturel. Il y a le naturel et ce qui est supérieur au naturel vont aller ensemble et tu vas voir la chose. Il y a Isaac naturellement. Est-ce qu'on peut s'aimer dans la sécheresse? Isaac, Isaac dit non. Le sol est sec. Si tu sèmes, ça brûle, ça pourrit. Maintenant, étant le fils de la foi, moi je te dis que ma loi est contraire à celle des hommes. Tu vas prendre ce qui te reste là comme semence là. Faut pas aller mettre quelque part. Parce que si cette chose-là périt, tout va périr. J'ai ma caisse aussi de dépôt d'investissement. Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mets dans un endroit où il n'y a ni termite ni voleur. Les termites et les voleurs, tu sais ce que c'est? Je vais pas te dire pour ne pas te décourager. Je parle sérieusement. Hein? Que celui qui a des oreilles écoute. Que les moqueurs rient. Que ceux qui sont, ils n'ont qu'à rire. C'est pourquoi j'ai gardé ça vers la fin. Je n'ai jamais parlé au hasard dans cette nation-là ni ailleurs. Quand je m'arrête et je parle, c'est que c'est sérieux. Ok. Ce n'est pas la faute des hommes. Parce que Satan qui est en furie contre le monde. Il va amener des troubles que le monde n'a jamais vu. Alors écoute-moi. Il dit à Isaac, tu vas s'aimer dans la sécheresse. Papa, bon Dieu, ça ne marche pas. Il dit non. Humainement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Humainement, là. Tu ne peux pas investir ici. Tout est en train de craquer. Mais sème par la foi. Au moment où les gens ont peur. Toi, tu sèmes. Quand Isaac est parti s'aimer, toute la région, les gens se moquaient de lui. On vous a dit que les mercats là sont fous. Les enfants d'Abraham là, ce sont des fous. Les Isaac là, ce sont des fous. Comment un homme, au lieu d'épargner le peu de grains qu'il a pour son bétail et sa famille, il prend pour aller donner un sol qui est sec. Dieu a suspendu la loi de la sécheresse. Connaissez pas Dieu, c'est pourquoi. Il veut que tu agis par la foi. Quand Isaac a sémé, le Dieu n'a pas besoin de pluie. Est-ce que quand Dieu a mis les herbes hautes là, il pleuvait? Dans Genèse 1 là, tu as vu la pluie? Il faut retourner pour voir qui est Dieu. Dans Genèse 1 là, c'est la pluie qui a fait pousser les arbres? Non. Dieu a suspendu la loi de la sécheresse. Dieu est retourné à la loi de la bénédiction sans la malédiction, comme au début avant qu'Adam ne tombe. Et au vu de tout le monde,
Tout le monde constate que le champ d'Isaac en pleine sécheresse, non seulement le blé sort, tout ce qu'il a semé sort, il n'y a pas, il n'y a rien, ni insecte, ni rien qui détruise. Et la Bible dit, cette année-là, Isaac récolta 100 fois. Quelle est l'année? On te dit cette année-là. Pas l'année où tout le monde a récolté. L'année où tout le monde a eu peur de s'aimer. Lui, il a récolté parce qu'il a osé suivre les lois de Dieu. Et ça lui a permis de continuer. Et la Bible dit, cet homme devint riche. Fort riche, allant de richesse en richesse, à tel point que tous ceux, les voisins, ont manifesté la jalousie. J'ai dit en 2015, 2016, 2017, la jalousie va monter par deux pots dans tes mains la bénédiction. Écoute-moi, ta prospérité ne dépend pas des choses humaines. Ouvre tes deux mains devant le Seigneur. Seigneur, j'ouvre mes mains devant toi. Dépose dans ces mains-là la semence surnaturelle qui résiste à la sécheresse, qui résiste aux insectes, qui résiste aux termites, qui résiste à tout être contre ma prospérité. Je refuse de regarder à ce que les hommes regardent. Cette année, en ce jour de vendredi 9 janvier, je décide d'être un semeur et je suis un récolteur. Je vais récolter le surnaturel. Je ne serai plus dans la disette. Je ne vivrai plus dans la sécheresse. Seigneur, ce que tu as déposé dans mes mains ce soir, physiquement je ne le vois pas, mais par la foi je l'accepte. Je vais mettre en pratique ta parole, et à partir de maintenant, cet esprit de pauvreté chronique, cet esprit de manque, c'est ce soir j'entre dans mon cycle de prospérité, dans mon cycle de bénédiction. Seigneur, les prodiges financiers et matériels m'appartiennent maintenant. Le voleur Satan ne peut rien voler, car cette semence, personne ne peut la voler. Merci Seigneur. À partir de maintenant, les choses que j'entreprendrai, mes projets, mes plans ne dépendront plus des hommes. Mais tu vas amener des hommes vers moi. Tu vas sélectionner les hommes et les femmes. Tu vas les amener vers moi. Selon ton plan, ils vont déposer dans mes mains des bénédictions financières, matérielles, les équipements, tout ce dont j'ai besoin. Vent de l'Est, vent de l'Ouest, vent du Sud et du Nord, je proclame, allez, rassemblez les bénédictions dont le Père m'a promise, exécuter la parole de Dieu
dans le nom de Jésus. Je le crois. Je le reçois. Merci Père. Mes greniers sont remplis. Merci Père. Je l'ai dit. Je l'ai proclamé. Je l'ai reçu. Au nom de Jésus. Frotte les deux mains et mets sur toi. Mets sur toi maintenant. Cela est ton partage ce soir au nom de Jésus. Cela est ton partage au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, l'année 2015, année de la libération miraculeuse. Assois-toi. Joseph a connu la prison. La prison du mensonge. Pierre a connu la prison de la jalousie. Paul et Silas ont connu la prison satanique. Est-ce qu'ils sont restés en prison? Ils sont restés en prison. Alors, toutes les prisons que l'ennemi a tissées autour de toi, tu vas rester là-dedans? Toutes ces trois prisons-là, la prison de Joseph, il a été mis dans quelle cellule? Cellule de la mort. Hein? Quand on a mis Joseph en prison et on l'a mis dans quelle cellule? La cellule des pauvres. La cellule des ministres de. Ça veut dire qu'il était déjà considéré comme. Oui ou non? Toute prison dans laquelle tu te trouves, ce que Satan t'a placé là, comme Paul et Silas, comme Pierre, comme Joseph, leurs murets sont renversés au nom de Jésus. J'ai dit que les portes des prisons sont ouvertes. Maintenant tu sors et tu prends ta position. Joseph a été élevé. Ton élévation est venue dans le domaine où tu es. Si tu es un homme de Dieu, tu es un homme de Dieu élevé, une femme de Dieu élevée. Si tu es fonctionnaire, ton élévation commence cette année. Si tu es homme d'affaires, femme d'affaires, tu es élevé cette année. Si tu as des projets, tes projets sont élevés cette année. Si tu es musicien, prépare. Au nom de Christ Jésus, mon frère, ma soeur, si tu es politicien, ton élévation est prête à n'importe quel niveau maintenant. Si tu es élève étudiant, les diplômes accourent vers toi au nom de Christ Jésus. Le travail vient vers toi au nom de Christ Jésus. Ton chômage est terminé. La prison du chômage est détruite. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Reçois cela. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. On va aller vite et terminer, mon ami. Mon ami. Mon ami. Ah oui. Dans ta vie, il y a deux personnes qui peuvent t'entourer. Le premier s'appelle Elkana. Le second s'appelle Penina. Ne t'inquiète pas. Quand tu as Elkana et Penina derrière toi, fais attention. Le premier est Elkana. C'est un ralentisseur de destinée. Anne était celle qui devait mettre au monde le premier prophète dans la terre promise. Son sein était un sein de qualité. Mais pendant quelques années, son sein était vide. Anne vivait dans le naturel. Regardez son mari. Elle dit, c'est mon mari qui doit mettre l'enfant ici. Mais elle a oublié. Mais si ton mari donne à Penina des enfants, tu n'as pas un enfant, ça veut dire que ce n'est pas un enfant naturel que tu dois avoir. Mais son mari Elkana, c'est un homme vraiment, rien ne l'intéresse. Il aime faire des pèlerinages chaque année à Silo. Il amène sa famille. Mais il était un ralentisseur de destinée. Quand Anne veut progresser, il y a Anne. Ce n'est pas la peine. Tu es la femme bien aimée. Regarde les gigots.
Anne se contentait de manger les gigots. Mais sa co-épouse Penina. Là, pour toi, Penina. Elle. N'était pas ralentisseur. Dieu met dans ta vie des gens comme Penina. Des gens qui mettent le feu à ton arrière pour ne pas t'asseoir. C'est ça Penina. Quand elle s'assoit, elle se contente. Mon mari même. La femme l'a dit, ton mari t'aime, où sont tes enfants? Tu n'en verras jamais mes enfants. Et puis elles élèvent. Celles qui disent que leur mari les aime là. Ils n'ont qu'à envoyer leurs enfants. Dieu permet ça dans ta vie pour que tu ne t'asseyes pas. Parce que Dieu est en train de programmer un prophète. Toi, tu es en train de retarder le prophète. Jusqu'au jour où elle a dit, ce n'est ni Penina, ni Elkana. C'est Dieu. Elle est partie là où se trouve l'arche. Elle est partie toute la journée. Elle a crié à Dieu. Une journée de jeûne et de prières intenses, des prières violentes, à tel point qu'elle ne peut même pas parler. Elle a sorti ses entrailles. Et l'homme de Dieu qui la regardait croyait que c'était une femme ivre. Parfois, votre temps de prière est tellement intense que vos lèvres ne peuvent plus bouger. Ça devient des gémissements, ça devient des soupirs, parce que vous devez accoucher quelque chose de valable. Vous devez accoucher les Samuels, les prophètes, et dans votre sein, tu as programmé des grandes choses. Dans votre ministère, tu as programmé des grandes choses. Tu as programmé dans chaque chose, spirituellement, physiquement, sur le plan du ministère, tu as programmé des choses extraordinaires. Mais parfois, tu te contentes de prier comme les autres. Dis-le mon enfant, le monde attend quelqu'un de quelque chose de valable de toi. Tu as été créé pour ça. Tu n'es pas la seconde femme. Non, tu es la femme spécifique. Tu es l'homme spécifique. Tu es l'homme spécial. C'est de toi que sortira cette grande chose là. C'est ça mon ami, mon frère. Ne te méprise pas. Ne te regarde pas. Les gens qui se méprisent, ils regardent les autres. Ah, Penina a beaucoup d'enfants. Elle n'a pas d'enfant. Elle veut un seul enfant. Pendant des années, elle voulait un enfant pour se comparer à Penina. Pendant des années, tu voulais une église pour te comparer à quelqu'un d'autre. Dieu dit, toi tu n'es pas un homme d'église. Toi tu es un homme de nation. Tu n'es pas, tu as dépassé, ton sein dépasse l'église locale. Abraham le stérile. Abraham le stérile. Il n'avait aucun enfant. Mais Dieu avait mis en lui des nations. Dieu a mis en toi des nations. Dieu a mis en toi des nations. Dieu a mis en toi des nations. Mais Abraham était stérile. Sarah était stérile. Mais Dieu n'a pas regardé. Frères et sœurs, ne regarde pas. Ah, j'ai une église de 20 membres. J'ai une église de 50 membres. Non, mon ami, il y a plus que ça. Il y a plus que ça en toi. Il y a plus que ça en toi. Il y a plus que ça. Tu es un libérateur. Tu es un affranchisseur. Tu es un homme, une femme que Dieu a préparé pour envahir les nations. Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Dieu te dit ce soir, lève les yeux. Regarde les étoiles. Ta postérité spirituelle, tes enfants spirituels seront comme les étoiles des nations. Crois ça. Arrête de gémir. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas commencé encore. Mon frère, ma soeur, Dieu a une grande destinée pour toi. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Regarde ce que tu es demain. Projette-toi dans le futur. Lance-toi dans le futur. Ne regarde pas les moqueries des gens. Et quand Anne a compris ça, elle est partie s'asseoir. Et quand elle sortait,
Elle est sortie avec un prophète. C'est ce prophète-là qui a béni toutes les nations. Tu comprends aujourd'hui? Écoute-moi, jeune Jean. Dieu a une grande armée qui est en train de préparer pour la fin des temps. De même que Satan a préparé ses esprits les plus méchants. Face aux esprits méchants de Satan, il y a une armée des champions de Dieu. Il y a une armée des champions de Dieu. Écoute-moi. C'est pourquoi je suis un instructeur de commando. Je suis un formateur de commando. Et c'est vous que je forme. Si les gens ne croient pas en moi, laissez-les. Dieu m'a préparé comme instructeur. Voilà. Dieu a une armée qui est en marche avec la délivrance. Et la guérison, la joie éternelle, et l'allégresse. Dans cette armée, nous avons Dieu, qui est en marche avec la délivrance, et la guérison, la joie éternelle, et l'allégresse. Dans cette armée, nous avons une armée qui est en marche, avec la délivrance et la guérison, la joie éternelle et l'allégresse. Dans cette armée, nous avons une armée qui est en marche avec la délivrance et la guérison, la joie éternelle. Et l'allégresse, dans cette armée nous avons une part. Dans cette armée qui est en marche avec la délivrance et la guérison, la joie éternelle et l'allégresse. Dans cette armée nous avons une part. Alléluia. 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 Dans une armée, il y a tout. Il y a les fantassins. Il y a l'armée de l'air. Il y a la marine. Il y a les commandos. Il y a les économes. Il y a tout le monde dans l'armée. Une armée est composée d'officiers généraux. D'officier supérieur. Mon ami, mon frère, tu fais partie de ces officiers généraux. Général de l'armée de Dieu. Général de l'armée de Dieu. N'ayez pas peur des gens. Les gens veulent vous intimider. Ils vous appellent à toutes sortes de noms. C'est parce qu'ils ont peur de vous. Ils vous critiquent. N'ayez pas peur d'eux. Laissez-les. Ils savent qui vous êtes. Ils n'osent pas vous rencontrer. Mon frère, ma soeur, crois ça. Crois ce que je te dis là. Crois ça. Crois ça, mon frère. C'est ça. Tu comprends? Tu comprends? C'est ça. Quand les 400 hommes venaient chez David, c'était des généraux. L'onction de David était une onction d'instructeur. Quand il prend même quelqu'un qui est faible là, il le transforme en vaillant homme. Oui ou non? Il y a des gens comme ça qui sont des instructeurs qui forment des gens. Quand il voit quelqu'un, quand il vient, le type n'a pas confiance en lui. Il dit vaillant héros. Il dit, moi? Oui, je vois en toi. Je vois en toi, je vois. 400 voyous. Des gens endettés. Des gens qui n'ont pas d'avenir. Quand David les a regardés, il a dit à Dieu, merci pour les vaillants hommes que tu m'as donnés. Les gens ont dit à David,
Ça, c'est des vaillants hommes, ça. David dit, attends. David, ce qui est en moi, mais pour moi. Je vais transférer en lui. Je vais transférer l'onction. Je vais transférer la connaissance. Je vais transférer la sagesse. Je vais transformer et la transformation. Au bout de 13 ans, ils ont été changés, oui ou non? On les a appelés quoi? Il a fait sortir au milieu des ministres d'État, des lévites, des chantres, toutes sortes de gens, oui ou non? C'est ce que Dieu a préparé pour vous au nom de Jésus. Si les gens ne croient pas en vous, qu'ils ne croient pas. On n'a pas besoin qu'ils croient en vous. Dieu croit en toi. Dis, Dieu croit en moi. Vous savez, asseyez-vous. Dieu a suscité l'apôtre Paul parce que Paul n'avait pas peur de quelqu'un. Oui ou non? Dès que, quand Pierre était quelque part, dès que les gens viennent sur nos pierres après, il y a plein de gens comme ça dans la ville. Il ne peut même pas parler. Attention, hein. On est en train de critiquer les Américains maintenant. Il faut faire attention, hein. Il faut qu'on se cache un peu. Hein. Moi, me cacher. C'est quelqu'un qui m'a mis dans ce monde-là. Attention, hein. Attention à quoi? C'est pourquoi tu as attention là. Attention à quoi? Attention les bons. Mais Dieu dit, je cherche quelqu'un. Il n'est pas parti prendre un bandit qui s'appelle Saul de Tarse. Si cet homme est un bandit comme ça là, pour Satan, quand je vais le changer, il n'aura pas peur de parler. C'est ça que Dieu cherche. Quand Saul de Tarse a été converti, son cœur qui était attaché aux choses mauvaises là, il a arraché ce cœur là, allé donner à Dieu. Il n'a plus peur de quelqu'un. C'est lui qui a sauvé l'église. Si, écoutez-moi, si Jésus avait laissé Pierre et les autres là, c'était fini pour l'église. Dans un pays, Dieu suscite quelqu'un qui a le courage. C'est comme ça qu'il fait. Il suscite. Les gens ne l'aiment pas, ils l'aiment, ce n'est pas un problème. Il doit faire sa tâche. Vous comprenez? Ça, c'est comme ça. Yawa. Paul était comme ça. Apôtre Yahoo. Quand il voit Simon le manger, il dit, mais toi là. Aïe, Simon, tu sors. Elimas. Elimas. Il dit, mais toi comme ça, Belakuro là. Faut pas qu'il y ait bon, moi, Yahoo. Un incirconcis comme ça. Faut pas qu'il y ait bon, là, Yahoo. Là, tu joues avec moi. Oui, Maniman. Sois avec lui. Ils ont un zipour. Le gars est avec lui. Aïe, ils ont un zipour, t'as l'arbre. C'est ça. Yahoo. C'est courage qu'il faut. C'est courage. Un point c'est tout. Ça mais bon pas passer. Est-ce qu'on peut ne pas être critiqué? Linga faut te vouer te pas vouer faut. Est-ce qu'on peut ne pas te critiquer? Linga faut te vouer te pas vouer faut. Mon frère, ma soeur. Faut pas te critiquer quand tu es voleur. Pas faut y avoir. Dès le moment, tu n'es pas voleur. Tu n'es pas criminel. Les gens te critiquent pourquoi? Parce que tu as de la valeur. Écoute-moi. Tu as déjà vu un manguier qui n'a pas de fruits avec des cailloux en bas? Avec des branches en bas? Mais un arbre qui a beaucoup de fruits. En bas, tu trouves quoi? Des cailloux et du bois. Bah, tout le monde veut le fruit là. Un chrétien qui n'est pas critiqué, ça veut dire qu'il est inutile. Le monde ne le considère pas. Je suis ici dans mon église. Je prie pour tout le monde.
prie pour tout le pays. Je prie même pour ceux qui me critiquent là. Pour que Dieu les bénisse. C'est pas ça que j'ai fait. Tu m'as déjà dit j'ai parlé mal contre de quelqu'un ici. C'est ça. Quand Dieu veut t'élever, il faut que d'abord les gens te critiquent. Ah, je ne sais pas où il va, mais peut-être qu'il va m'élever pour être super archibishop, je ne sais pas. On va m'élever super archibishop. Mais est-ce que j'ai besoin de ça? Je suis un pasteur. Simple. Dans la simplicité. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. La grâce de Dieu est là. La bonté de Dieu est là. Nous sommes pour la bénédiction pour le pays. Nous bénissons le pays. Nous faisons descendre la bonne pluie sur le pays. Sur tout le monde. Sur toutes les religions, sur tous les politiciens, sur les syndicats, sur la société civile, notre but est d'être une source de bénédiction. Jamais on va faire du mal à quelqu'un. Ce n'est pas dans notre nature. C'est le bien. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Mon Dieu m'a déjà élevé. Alors, c'est pourquoi pour terminer, Naaman était malade. 2015, la maladie chronique. Naaman était à sa fin. Il désespérait. Naaman était à sa fin. Mais simplement, Dieu a dit à Naaman, ta lèpre là n'est pas un problème. Pour les hommes, ils ont terminé, c'est fini. Écoute-moi, toi qui nous regardes la télé, toi qui es ici là, la maladie qui te ronge là n'est pas un problème pour ton Dieu. Élisée n'était pas un médecin. Élisée savait que la lèpre est incurable. Et toutes les maladies dites incurables, où les médecins ont condamné. Écoutez-moi, vous qui êtes ici, vous qui êtes à la télévision, que vous soyez chrétien ou pas, les maladies dites incurables, la solution de Dieu est simple. Le prophète dit à Naaman, la solution de Dieu n'est pas compliquée. Va. Tu vois ce Jourdain-là. Va simplement plonger cette fois. Et c'est fini. Mais les gens disent, ah, les médecins m'ont dit. Naaman dit, Élisée dit. Les médecins ont raison dans leur science. Le médecin est fini. Il est limité. Il a la bonne volonté. Mais il ne peut rien faire. Bénis le médecin. Mais détourne tes yeux de lui. Détourne tes yeux de lui. Remercie le médecin. Il n'est pas ton créateur. Il dit va te laver. Il dit mais ça c'est anormal. Ce n'est pas scientifique. Se laver dans l'eau et une maladie sans voix, ce n'est pas scientifique. Ce n'est pas raisonnable. Écoute-moi ce soir. Là. À la fin. Là-bas, les petits gens, les soldats ont dit au général Naaman. Général. Général. Écoute-moi. Quel homme somme. Si on t'avait dit faire le parcours du combattant. Ça c'est bon. Mais est-ce que le parcours du combattant peut guérir la lèpre? Dieu a une parole. Ce qui compte là, c'est ce que Dieu a dit là. Même si la parole là semble être une folie. Tu es venu, la petite fille dans ton pays là, la petite esclave là, dit quoi? Et si tu arrives à trouver le prophète là, il s'appelle Élisée là. Si tu vas, il va te guérir. Mais est-ce que la fille t'a dit qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant le prophète
donne la parole. Maha, non, les confort. Va te laver. Non, tiens, quand on lui soumet un bon coup. Je suis ce petit soldat qui te parle ce soir. Maman, il y a soda bilan comme dans le domaine de ce conseil là. Nous même ça ne faut pas. Il dit ne te décourage pas. Là ça me sourit. La maladie qui est sur toi là est arrivée à sa fin. C'est pourquoi elle se complique comme ça là. Quand la maladie va sortir, elle se débat. Je dis ce soir là, ta maladie se débat, elle sort au nom de Jésus. Je dis à quiconque nous regarde qui se débat dans n'importe quelle maladie, qui est assis dans une maladie dite chronique, une maladie finale, je décrète sur ta maladie ce soir que par le sang de Christ Jésus que j'espère sur toi, il est mis fin à cette maladie au nom de Christ Jésus. Si l'eau du Jourdain dans lequel Naaman s'est plongé a enlevé la lèpre, je dis ce soir, je te plonge dans le sang de Jésus. Je te plonge dans le sang de Jésus. Et j'utilise maintenant ma bouche pour te parler à toi. Assis dans ta maison. Assis dans ta maison. Je proclame maintenant. Maintenant, la puissance de Dieu est envoyée sur toi. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Maintenant, la vie divine vient en toi. Ta respiration est restaurée. Tes deux poumons sont dégagés. Regarde, tu peux respirer maintenant. La respiration est venue. Les poumons sont libérés. Tout ce qui était en toi est parti. Tout liquide dans ton corps est parti. Ton pancréas est restauré. Tes reins sont restaurés. Ta vue est restaurée. Tes oreilles sont restaurées. La puissance du sang de Christ Jésus te guérit ce soir-là. Maintenant, reçois cette guérison. Reçois cette guérison au nom de Jésus. Reçois cette guérison dans les maisons maintenant. Tenez-vous debout. Dans ici maintenant. Recevez la guérison. La puissance de guérison dans la salle. La puissance de guérison dans la salle. Dites, je la reçois. Je la reçois maintenant. Je la reçois. Je suis guéri par ces maîtres sûrs. La maladie quitte mon corps. Et dans la maison maintenant, vous qui êtes malade, recevez, recevez, recevez. Touchez l'écran. Touchez l'écran. Touchez l'écran. Vous voyez, je pose ma main. Mettez votre main dans mes mains là. Et la puissance du Saint-Esprit venant dans votre corps. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. De toute forme d'hypertension. De toute forme de diabète. Maintenant. Que le sida meure. Maintenant. Que les maladies de cancer soient détruites. Recevez la délivrance du rhumatisme. De toutes ces maladies-là, maladies de sang, toutes les maladies démoniaques, vous êtes libérés maintenant. Regarde vos yeux, vos oreilles, les poumons, les reins, les ulcères sont détruites au nom de Christ Jésus. Ici, au dehors et dans tous les pays, recevez la guérison. Les fibromes sont détruites. Les kystes sont détruites. Toutes les maladies sont détruites. Recevez, recevez, recevez. La guérison. La stérilité est détruite. Toutes les maladies maintenant. Les allergies sont détruites. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Vos yeux sont guéris. Vos oreilles sont guéries. Vos gencives sont guéries. Votre mauvaise respiration est partie. Vos migraines sont guéries. Les sinusites sont guéries. Les rhumatismes sont guéris. Les arthroses sont guéries. Recevez, 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 recevez. Recevez la guérison maintenant. Recevez la guérison maintenant. Recevez la guérison maintenant. La puissance de guérison rentre dans vos corps. Dans vos corps, vos nerfs sont guéris. La dépression est partie. Au nom de Christ Jésus. L'oppression est partie. Au nom de Christ Jésus. Les démons de nuit sont partis. Au nom de Christ Jésus. Tout démon est parti.
L'esprit de mort est parti. L'esprit de suicide est parti. Tout esprit de destruction est parti. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Maintenant, la puissance de guérison entre dans vos corps. Regardez ceux qui sont ici. Regardez au dehors. Regardez dans les maisons. Maintenant, Dieu a ajouté des années à ta vie. Oui, toi, Dieu a ajouté des années à ta vie. Donne-toi même un chiffre maintenant. Si tu dis deux, attention, ne dis pas deux ans. Hein. Dieu a ajouté des années à ta vie. Il a ajouté des années à ta vie. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de Dieu. Demain soir, viens célébrer le Seigneur avec les témoignages. Ce soir, tu es guéri. Tu es délivré. Tu es guéri dans le nom de Christ Jésus. Tu es libéré. L'insomnie est partie. Cette nuit, tu dors. Tu es délivré. Toutes les maladies sexuellement transmissibles, la blénorragie, la syphilis, tout est parti. Maintenant, les sangs qui coulent mal, les cycles menstruels douloureux, mets ta main sur ton bas-ventre, reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Élève tes mains et remercie le Seigneur. Élève tes mains et remercie le Seigneur. Que tout Lazare sorte de son tombeau. Que tout Lazare sorte de ton tombeau. Reçois et rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur ce soir. Célèbre le Seigneur. Magnifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Exalte le roi des rois. Et tu vas le chanter un cantique de célébration avant que tu ne partes. Faut pas partir, on va repartir tout à l'heure. Fais-le. Je te loue, oh Dieu. Je te loue, oh Dieu. Remercie-le. Je te loue, oh Dieu. Je te loue, oh Dieu. Je te loue, oh Dieu. Amen. Posez vos mains sur votre écran. Posez vos mains, vous qui êtes dans la ville. Posez vos mains sur l'écran. Je dis maintenant. Maintenant, ce que vous voulez, recevez cela au nom de Christ Jésus. Recevez la guérison. Recevez le mariage. Recevez les bébés. Recevez un changement dans votre statut. Recevez la grâce de Dieu. Une pluie de joie vient sur ta vie au nom de Christ Jésus. Je m'arrête et je proclame. Une pluie de délivrance vient sur ta vie. À partir de maintenant, reçois une pluie de prospérité. Reçois une pluie de succès. Reçois une pluie de délivrance. Reçois une pluie de fécondité. Reçois une pluie de victoire. Que une pluie de miracles accompagne ta vie. Des signes et de prodiges accompagne ta vie. Je déclare qu'à partir de maintenant, à gauche, à droite, devant, derrière, tu seras entouré par des témoignages merveilleux. La pluie vient sur vous maintenant. La pluie abondante de Dieu vient sur vous. Au nom de Christ Jésus, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.
Acclamons le Seigneur.